est trop belle! Aujourd'hui, on va dans le futur de... Brookhaven! Et oui, on a vu sur YouTube que certaines personnes auraient voyagé dans le futur de Brookhaven. Alors aujourd'hui, on vérifie si c'est vrai. Alors c'est parti! Ézéchiel, on a pris des notes de comment on doit aller dans le futur. Donc Ézéchiel, tu dois commencer par prendre le Cybertruck. C'est le genre de véhicule du futur Tesla. Tesla, exactement. Alors, ensuite de ça, il y a une maison précise qu'il faut acheter. Ouais, il y a quelque chose qui se trouve dans le grenier de cette maison. Alors, il faut ensuite que tu achètes une maison au terrain numéro 20. Non, c'est à l'avant-dernière en bas. Non, c'est elle. Oui, c'est elle, c'est celle-là. OK. Ça, on pouvait le faire dans les 10 cachettes de Brookhaven. Oui, parce qu'il y a une cachette. Ouais, c'est ça. Il semblerait qu'il y aurait une cachette dans cette maison. Alors, au deuxième étage... Ben, oui, il y a une cachette. Il y a quelque chose qu'on peut monter dans le plafond. Exactement. On monte dessus. Et ça, ça devrait aller dans le grenier. Parfait. Et là, il y aurait des petites éclairs. Quelque part, des genres de... Comme ça, exactement. Alors ça, on les prend, on en a besoin. Okay. Ensuite, on repart. On va reprendre le Cybertruck et on va dans le Downtown. Downtown, ben c'est la pleine ville de ville. Ouais, la ville. Pareil, comme dites-moi en commentaire si vous avez vu le film Retour vers le futur, mais c'est presque pareil que comme dans le film Retour vers le futur. Alors là, on va dans Downtown. La vitesse puis tout. Là, exactement. Il faut aller dans Downtown et il faut ensuite aller à l'église. OK, ensuite, on débarque et on va à l'intérieur. Oui, c'est ça, il faut monter là, prendre une échelle et monter sur le toit. Oh non, t'as tombé là. OK, c'est possible. Alors, on monte sur le toit, on prend une échelle pour ensuite aller... Allez, c'est moi le chemin, c'est tout, c'est tout. J'ai pris les notes du mec qui aurait été dans le futur. Non, ouais. C'est pas un compte, j'ai dit une échelle. Une échelle, ouais. Merci. Ah, c'est l'échelle, on monte sur le toit. Alors, là, on va sur le toit de l'église. Puis, ben, moi, on peut laisser l'échelle. Et là, pareil comme dans le film Retour vers le futur, on doit cliquer sur un bouton. Exactement. Alors, ça, c'est allumé. Parfait. Okay. Ensuite, on descend dans l'église. Ah, on descend? Oui. On prend un computer. Exactement. On prend l'ordinateur et on active ce qu'on a activé. Il semblerait qu'on active quelque chose. Tu vas sur le bureau au fond. Ben, chaud. Et il semblerait que tu dois mettre l'ordinateur ici. On met l'ordinateur là, échec de la synchronisation. OK. Bon, ensuite de ça, tu vas reprendre ton Cybertruck. Ferme l'ordi. OK, attends, non. Attends, il faut vraiment mettre l'ordinateur là. Non, il est pas là. Pourquoi le bureau est pas là? Ah, il est là! Il est sur ça. Bon, OK. Alors, on met l'ordinateur là. OK, c'est bon. Ah, là, il y a un bouton là. Il y a un bouton là. Oh! Ça, c'est toi. Alors là, on apparaît là. Justement, c'est ce qui devait arriver. On doit apparaître là. Ensuite, tu sautes en bas. Wow! Je vais me péter les... Oui, ça fait partie du process. Et là, on va reprendre le Cybertruck. Cybertruck. OK, ensuite, tu vas prendre ton Cybertruck, tu vas aller jusqu'au bout. Ouais, pour avoir un maximum de rapidité. Retour vers le futur? Ouais, on va dans une cabine de même. Exact, oui, c'est ça, exact. Non, c'est quand on va dans le passé, je pense. Bon, en tout cas, ça ressemble à Retour vers le futur, honnêtement. Alors, ce que tu dois faire, c'est que tu dois augmenter ta vitesse à 88 comme dans Retour vers le futur. On doit foncer tout droit et il semblerait que nous allons voyager dans le futur. En 3, 2, 1... Wow! Oh, c'est stylé! C'est vraiment stylé, c'est magnifique! C'est difficile à faire voler? Non, ça va? Oh my god! Wow! C'est magnifique! Attends, il y a quelque chose qui vole, oui! C'est quoi? Las Vegas! Ah, c'est un genre de casino. Un peu comme dans Retour à le futur avec Biff Tannen. Oh non, mais t'as perdu ta voiture! Oh! On est dans le futur! C'est magnifique le futur, on est en quelle année? Ouais. En l'an 3000? C'est vraiment. Attends, la barque, c'est quoi? Ok, on va aller au plus haut, hein. Waouh, c'est quoi? C'est le nouveau soleil? On va changer de soleil dans le futur. Ouais, c'est comme des portails. Est-ce qu'il y a des. C'est magnifique. Tu vas atterrir sur un building, c'est vraiment beau. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça beau. Et si des si. Ah ouais, rock'n'roll. C'est vraiment cool. Je sais qu'on peut venir dans des mansions. Puis. Une pizza, juste là, TV. Ah, encore la télévision. En l'an 3000, j'aurais pensé que les télévisions auraient été détruites par YouTube d'ici l'an 3000, mais bon. Oh, regarde, on peut rentrer. Ah, on peut rentrer dans la building. Super. Oh, mission accomplie. Oh, c'est un genre de club. C'est vraiment beau. Ouais. Imagine avoir une maison comme ça, un penthouse. Penthouse. Ah, c'est dommage. Ça fait juste des arbres, il n'y a rien. C'est juste des escaliers. J'espère qu'on n'est pas pris dans cet établissement. Non, mais parce qu'on est rentré. Puis... On va pas descendre jusqu'en bas. Oh, on est presque arrivé. C'était pas si mal. Ok, c'était pas si pire. Je pensais qu'on allait passer des heures à descendre. Des arbres. Oh, on est comme dehors, mais en même temps, on est en dedans.
Ouais, parce qu'il y a comme un portail. On est comme dans le On est vraiment seul dans le futur. On est pris. Ah oui, c'est la porte, là. Non, il n'y a pas de porte. On est pris? Oh, OK. Oh non, on est pris. On est pris dans... On a voyagé dans le futur, tout ça pour être finalement coincé dans un building. Mais il y a comme un building en dedans d'un building. T'as sûrement une porte quelque part. Ah là. Écoute, c'est quoi ça? Ah oui, il y a un genre de meme qui joue encore. Ice cream. Allons-y. Ah, c'est des Nike. Un magasin Nike? Ah non. Non, mine. Ah non, c'est pour faire les ongles. On n'est pas seul. Ouais. Hey, il y a un joueur de soccer! Est-ce que... Attends, on va venir au Mac, ça va vite. Elle est vraiment belle, la voiture. Ouais. Wow. Attends, est-ce qu'on peut prendre une maison? Est-ce qu'on peut construire une maison? On va aller voir. Les maisons sont comment? Alors, Ezekiel veut aller construire une maison, voir à quoi ça ressemble l'intérieur d'une maison dans le futur. Et en passant, écris-nous en commentaire si tu crois qu'on a vraiment voyagé dans le futur ou si tu penses qu'on a triché d'une certaine manière. Va essayer. Essaie de faire la même chose que nous pour voyager dans le futur et dis-nous si t'as réussi. Bon, là, il y a juste, on n'a pas de voiture. Et puis là, l'eau est différente. On reconnaît bien Brookhaven, ça c'est sûr. On peut voir. Cleaner, ça, je sais pas. Ah, il s'est comme abandonné. Ça l'a fermé, close. Ah, les gens ne lavent plus leurs vêtements dans le futur. Notice out of service. Ah, ouais, il y a des boutiques abandonnées. Oh, do not enter. Mais attends. Plus tu descends, plus on va se perdre. Oh! Oh! Alors, on voit que les crimes existent toujours dans le futur. Il y a toujours des criminels. Ça, c'est clair. Oh, c'est la station de police. C'est la station de police, ok. Oui. Alors, Ezekiel, tu t'écartes du sujet. On voulait construire une maison. Ouais. S'il te plaît, concentre-toi. Je pense que c'est ici. Nous avons une maison. On est où, là? Un nouveau secret. 10 pièces secrètes dans Brookhaven du futur. Ah, ben oui, on montre vraiment. Je sais pas. Ok, dans le futur, il y a vraiment des choses étranges qui se passent. Waouh, c'est quoi la vue qu'on avait? On avait la vue sur l'univers. Oh, c'est quoi ça? C'est une un passage. Oh, elle a passé à travers. Ah, c'est une voiture. C'est vraiment étrange. C'est quoi? Aucune idée. Oh, attends. La banque, puis il y a tout changé. Bank. Hein? Là, il semblerait qu'on soit seul dans ce futur très étrange avec les plafonds beaucoup trop bas. Les gens sont rendus nains en 3000. C'est vraiment trop bas. Okay. Mais c'est vraiment beau. Oh my! Oh! Elle est trop belle! C'est la Mercedes du futur prototype! Ah ben oui, regarde! Dites-moi qu'on peut la conduire. Oh! Allez, va la conduire. Oh! Est-ce qu'on peut la... Oh! On peut la conduire? Je pense que oui. Je sais pas. Tu l'avais. Oh, la voiture de ouf, toi! Ah, mais c'est quoi ça? T'as la plus belle voiture du monde? Ok, mais là, t'as la tête qui sort par le pare-brise, par contre. Vraiment, les gens sont plus petits dans le futur. Oh, écoute le bruit. C'est trop stylé. Hein, les roues, ils volent. Bon, les roues ne tournent pas. Alors, il semblerait que la gravité ne fonctionne plus de la même manière dans le futur. Les choses bougent sans vraiment comprendre pourquoi. Mais c'est très très beau, les rues sont très stylées. Dites-moi ce que vous trouvez le plus stylé dans ce monde du futur. Il y a vraiment pas de gravité! On voit qu'on est plus... Regarde! Ok, pour moi la planète vient de reculer un peu, alors on va de côté. Vraiment, on remarque une chose, la gravité. La gravité est plus là. Bon, on est plus sur la même planète, hein, donc les effets gravitationnels sont différents. Et alors, est-ce qu'on essaie de... Arcade! Arcade! Oh! Style années 80. Comme retour vers le futur. La voiture a continué. Hein? Adieu! Elle est partie. Elle est partie. Elle a décidé de partir, sa propre vie. Elle en avait assez de ton voiture, elle porte sa vie. Ça a changé. Avant, il y avait comme des motocross qu'on pouvait compter et puis tout. C'est cool. Là, c'est plus rétro. Hein. Il y a des affiches. Regarde comment ça fonctionne, les affiches dans le futur. C'est comme virtuel, c'est holographique. Il y a encore le cimetière le même. Oh non. Les lumières ont un petit bug. Alors c'est tout pour cette vidéo, on espère que t'as aimé. Écris-nous en commentaire si tu crois qu'on a vraiment voyagé dans le futur. Et nous on se voit à la prochaine vidéo tout le monde. Bye! Bye tout le monde!